scooter et méca boîte. Alors aujourd'hui une vidéo coup de gueule. Alors c'est une vidéo que j'aurais dû tourner il y a déjà maintenant 2 à 3 mois. J'étais débordé sur la voiturette donc j'ai pas pu le faire tout de suite. Donc c'est une vidéo coup de gueule avec le site de la bécannerie. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en fait, concernant mon coup de gueule sur la bécannerie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un comparateur Polini, donc qui se trouve dans cette boîte, qui porte la référence de chez Polini 173.0002. La référence la bécannerie, je ne sais plus lequel que c'est. De toute façon, comparateur sur la bécannerie en Polini, il n'y en a qu'un. Donc ça se présente, je vous montre tout de suite, avec le support de comparateur qui est là. Logiquement, la vis qui sert à bloquer le comparateur sur le support, vis que je n'ai pas reçue avec le comparateur. C'est une vis que j'ai dû rajouter dessus. Donc vous avez cette pièce là qui se trouve dans du papier bulle. Et ensuite dans la boîte, vous avez une autre boîte orange où vous avez le comparateur par lui-même. Et le souci qui se passe avec ce comparateur, eh ben, c'est tout simplement qu'il n'est pas compatible avec les courses de Villebrequin, courses longues. Alors, en fait, ce comparateur est compatible uniquement avec les courses, avec les Villebrequin en course 39 d'origine. Peut-être les courses de Villebrequin moto bécane, je ne suis pas encore sûr, faut que je teste. Parce que je dois le vendre. Ce comparateur-là va être vendu. J'ai peut-être trouvé un acheteur, mais il m'a demandé si ça allait sur ses motos bécanes. AV7, AV10, il faut que je regarde si ça y va. Les Villebrequin AV10 et AV7, c'est exactement les mêmes. Enfin, ça, c'est un autre sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que ce comparateur, je ne peux pas l'utiliser. Moi, je l'avais acheté à la base pour mon DT pour caler l'allumage. La première fois que j'ai voulu m'en servir, vu que c'était la première fois que je me servais d'un tel outil, je me suis retrouvé avec ma bécane qui roulait en marche arrière. Et en fait, la raison était toute simple, c'est que le comparateur, quand on ne peut pas avoir le point Moreau avec. Pour la seule simple raison que le support est trop court. Ce qui fait que quand le piston il monte, bah quand le comparateur est à fond, le piston n'est pas à fond. Ce qui fait qu'on croit régler notre... Moi j'ai essayé de régler mon allumage comme ça, vu que c'était la première fois que je l'utilisais. Un comparateur, je me suis dit, bon, c'est le point Moreau, point... Hop, je règle mon allumage en arrière, 0,35. Et puis voilà. Sauf que je me suis retrouvé après avec la bécane qui roulait en marche arrière. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, de ne pas avoir le bon comparateur, je me suis retrouvé, au lieu d'avoir 0,35, d'avoir 3,5 d'avance. Ça peut avoir entraîné également la casse de mon moteur. Peut-être. C'est pas interdit. Même si ça, j'ai pas pu rouler, du fait que le moteur tournait en arrière... Le peu qu'il a tourné en arrière du fait qu'il y avait énormément d'avance, bah ça peut avoir occasionné les dommages. C'est ça, par contre, c'est de la théorie, hein, c'est pas sûr. Mais le truc qui me gonfle, c'est que ce comparateur-là, quand vous allez sur la bécannerie, il n'y a aucune description. Il n'y a rien de marqué. Comme quoi, si c'est compatible course 39, si c'est compatible course 44, il n'y a rien de marqué. Et en plus, j'ai envoyé un email à la bécannerie leur disant que leur comparateur n'était pas compatible avec les courses 44, que c'est pas marqué sur leur site, que je l'ai reçu sans la vis de blocage, que moi je demandais le remboursement de l'article et que je leur ai renvoyé l'article. Du fait que cet outil-là, je l'ai payé quand même 61 € et que je ne peux pas m'en servir. J'ai jamais eu de réponse. Donc le moteur du DT avait relâché en fin janvier, j'avais refait le moteur, je crois, courant janvier. Il faudra que je regarde quand est-ce que j'ai commandé cet outil-là.
Donc j'avais dû le refaire courant janvier, le moteur a lâché fin janvier. De toute façon, il a fait 71 km avant de relâcher. Donc ça a dû arriver pas longtemps après. Voilà, on va faire une vidéo sur le site, hein, comme je vous ai fait pour Nono les gaz. Mais je vais vous montrer d'autres trucs sur le site où je suis pas d'accord. Alors, par contre, je tiens à préciser que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes sur le site de la bécannerie. À ma connaissance, je crois que je suis la troisième personne, déjà. Donc il y a une personne que je ne vais pas vous causer parce que j'y ai pas posé la question si ça, il était d'accord que je vous en cause, que j'en cause sur YouTube. Par contre, il y a une personne que je vais en parler parce que lui m'a donné son accord. Alors la personne, c'est... je crois que c'est... Attendez, je vais réécouter son pseudo. Il m'a donné son pseudo YouTube. Son pseudo Insta, c'est Dame. Mais je vais vous donner son pseudo YouTube aussi. Donc son pseudo YouTube, c'était Damien Morceau, parce que en fait il avait une chaîne YouTube et il s'est aperçu qu'elle avait été supprimée. Ça, c'est pas étonnant. YouTube change tout le temps leurs règles. Donc quand la personne, apparemment ça fait 4 ans qu'elle a pas fait de vidéo, donc il s'est fait supprimer sa chaîne parce qu'il respectait pas le règlement. Sauf que le règlement de YouTube change tout le temps. Enfin bref, donc Damien Morceau, donc c'est un abonné de la chaîne. Il avait à ce moment-là un TNT Grido 50 de temps. Il m'a demandé où j'avais trouvé le CDI, le boîtier CDI débridé. Moi, je lui ai dit que je l'avais commandé sur chez mon concessionnaire parce que vu que c'est un scooter chinois, le problème des scooters chinois, c'est qu'on a des boîtiers CDI en courant alternatif AC et des boîtiers CDI en courant continu DC. Et que je ne savais pas du tout quel modèle que j'avais sur mon scooter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement chez mon concessionnaire avec la carte grise du scooter, et avec la carte grise du scooter, il a pu me commander 2 boîtiers CDI, parce qu'il y en avait 2 débridés pour ce scooter là donc il a commandé les 2, on a pris un, on l'a essayé dessus, ça a débridé le moteur. Je l'avais payé presque 50 €, je crois, mais bon, voilà. Et lui, en fait, son concessionnaire ne veut pas lui vendre de pièces débridées, donc il est obligé de le commander sur internet, parce que c'est pas quelqu'un qui habite par chez moi. Donc j'ai fait des recherches sur YouTube, sur internet et tout ça, j'ai tapé boîtier CDI, TNT Grido de l'année de son scooter, et je suis tombé sur le site de la bécannerie avec le boîtier CDI. Le petit souci qui se passe, donc c'était bien pour les modèles Grido de l'année du mien et de l'année du sien. Donc de 2012 à 2017, son scooter, je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'il était de 2012. Et en fait, le boîtier CDI, quand il l'a reçu, il l'a monté et le scooter démarrait plus. Et il y avait des taches dessus. Il envoie un mail à la bécannerie. La bécannerie lui dit que ouais, mais bon... Il y a des taches d'huile dessus, nous on peut pas vous le reprendre, on vous fait un avoir de 5 €. En sachant qu'il y en a, je crois qu'il m'avait dit le prix, je crois qu'il y en a eu pour presque 50 balles, un truc comme ça. Donc c'est un peu... Voilà, ils ont pas voulu le rembourser alors que le CDI présentait déjà des taches quand lui il l'a reçu. Et en plus, le CDI ne fonctionne pas. Donc c'est pas de l'huile qui va niquer un CDI. Un CDI, c'est prévu pour se prendre de la flotte dans la gueule et tout ça. C'est 100% étanche. C'est pas à cause de ça, c'est qu'ils ont envoyé un CDI qui n'était soit pas le bon modèle, ça c'est fort possible, soit c'était pas le bon modèle, ou soit c'était tout simplement un CDI défectueux. Mais ils n'ont pas voulu lui rembourser, ils ont voulu lui faire un avoir de 5 € sur 50 €, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, moi j'ai eu le problème avec le comparateur, mais j'ai déjà eu des problèmes avant chez eux. J'avais passé la bobine basse tension que j'ai reçu, qui était soi-disant une pièce d'origine constructeur et qui n'est pas du tout une pièce d'origine constructeur, vu qu'il a fallu que je me les entrefaire. Moi, je pars du principe que une pièce d'origine constructeur, vous la prenez, vous la mettez sur le moteur, vous n'avez pas de modif à faire. Ça, c'est une pièce d'origine constructeur. Là, la pièce qu'on m'a envoyée, c'est ni plus ni moins qu'une pièce adaptable. Mais ça me fait rigoler quand on me dit pièce adaptable. C'est pièce adaptable à adapter. Donc voilà, donc c'est pas la première fois, hein, que j'ai des gros problèmes sur la bécannerie. L'autre truc qui me gonfle sur la bécannerie, c'est qu'un exemple, si vous avez une commande à passer que vous en avez pour moins de 15 €, vous ne pourrez pas passer la commande. Il vous faut minimum 15 € d'article dans le panier.
Et ça, je vais vous le montrer après. Vous allez voir qu'on va essayer de faire une commande. Je ne vais pas procéder au paiement, bien entendu, mais vous allez voir que quand je vais vouloir passer sur le mode de paiement, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est le truc qui me saoule, ça, par contre, parce que c'est forcer les gens à acheter. C'est forcer les gens à dépenser de l'argent. Donc, parce que on n'a pas spécialement. Vous pouvez avoir plusieurs pièces à commander. Je sais pas, un exemple, vous avez des câbles de frein, de la gaine, des joints. Pour tout ça, vous n'en avez pas pour 15 euros. Des câbles de frein, il faut compter 2 à 3 euros. De la gaine, il faut compter à peu près 5-6 euros. Je parle pour de la grande distance de gaine. Et des joints, bah, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez des joints d'en bas, c'est, je sais pas, c'est du 1 euro, c'est du 2 euros, ça dépend. Ça dépend après de ce que vous voulez. Mais vous n'avez jamais, un exemple, je sais pas, je veux comment, voilà, demain il me faut deux câbles de frein pour la V89, mon concessionnaire il est fermé. Le site le moins cher c'est la Bécannerie, je vais sur la Bécannerie, je commande deux câbles de frein, bah, je pourrais pas lancer la commande parce que j'en aurais que pour 4 euros d'articles dans le panier. Alors je tiens à préciser qu'il vous faut 15 euros d'articles dans le panier, ceci ne comprend pas les frais d'envoi et la TVA. Ça comprend uniquement le prix des articles que vous avez mis dans le panier. C'est tout. Là, on va passer sur le PC. Donc, je vais passer sur le PC portable parce que ma tour est branchée sur télé et la télé, il y a trop d'éclairage, ça va foutre la merde. On va passer sur l'ordinateur portable. Je vais aller sur le site de la Bécannerie, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, on est sur le site de la Bécannerie. Donc, je vais vous montrer déjà pour le comparateur d'allumage. Comparateur. Qu'on va le trouver comme ça, voilà, il est là. Voilà. Donc, il a baissé d'un euro. Et bon, on s'en fout. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà, description. Je vais essayer de vous zoomer. Alors vous m'excuserez, mais je vous zoome peut-être un peu beaucoup. J'ai un écran de 3,5 pouces. Alors, voyez. Caractéristiques du produit. Comparateur avance allumage. Poligny avec support. Ça, oui, d'accord. La Bécannerie vous propose l'outil indispensable pour le calage de votre allumage avec précision de 1 centième. Voilà tout ce qu'il y a niveau description. Il n'y a rien d'autre. Alors, il y a un avis client. Alors, ça, c'est pareil, c'est des trucs qui commencent à me gonfler aussi. Le mec, il met 5 étoiles. Je l'ai commandé, mais pas utilisé. Car j'ai eu un imprévu et je l'ai renvoyé. Voilà. C'est le seul avis qu'il y a. Ensuite, il y a produits similaires, mais bon, voilà. Il n'y a rien qui dit que, comme quoi, que ce comparateur est compatible course 39, course 44, ou course 45, ou course de je sais pas quoi. Il n'y a rien qui nous explique avec quel vilebrequin il est compatible. Mes commandes, je vais vous dire tout de suite quand est-ce que je l'ai commandé. Déjà, il a été livré le 24/01/2022. D'après ce que je vois, donc la DT, je crois pas que ça soit en. Ouais, elle a dû lâcher, je crois, fin du mois. Donc voilà. Donc voilà, il a été commandé le 24 janvier. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Alors, un exemple, là, on va passer sur la commande. Je veux commander, je sais pas. Allez, une bobine. Bobine basse tension. Bobine basse tension. Déjà, il comprend. Il le trouve pas. Bah oui, parce qu'il m'a bouffé le N. Voilà.
Alors déjà, je vois qu'ils ont plus de Novi. Donc, voilà. La E-Tech qui est au même prix que la Novi. Donc voilà. Donc 9 euros, elle coûte la pièce. Hop, ajoute au panier. Terminer ma commande. Alors pareil, on peut remarquer que depuis la mise à jour du site, le site est une tortue sur les chargements. Je tiens à préciser que je suis en câble et que maintenant j'ai la fibre, hein, donc ça vient pas de chez moi. Là, on peut voir qu'il y en a pour un total de 13,90 € avec la livraison et qu'il y a 2,32 € de TVA. En sachant que les frais d'envoi sont de 4,90 €. Donc je vais faire, j'accepte les termes, finaliser ma commande. On va laisser cette livraison là. On va faire continuer. Je vais rentrer mes données cartes et je reviens vers vous. Je vais partir avec un truc un peu moins cher, hein, parce que si la commande vient à marcher, normalement elle devrait pas fonctionner, mais bon, des fois on sait jamais. Donc je vais pas faire la tentative de commande parce que si jamais ça vient à passer, je suis pas sûr d'avoir encore assez d'argent sur mon compte. Mais normalement, je crois qu'il faut 5 euros d'articles dans le panier. Et là, ça n'a pas l'air de le faire. Donc là, ça ne me met pas de message. Donc c'est quand même bizarre. Je vais essayer avec un article moins cher. On va partir sur ça. C'est un câble de gaz pour Ciao et MBK51. Ça vaut 1,90 €. Et là, on peut voir que le site est extrêmement long à charger. Alors, je tiens à préciser qu'avant qu'ils aient ce design-là de. Bah, ça remet pas comme ça, hein. C'était de l'instantané bientôt. Donc voilà. Non, bah apparemment, ils ont dû résoudre ce problème-là. Donc non, hein, ça y est, ça me revient. Le truc des 15 euros se met en place que quand on veut passer au paiement, hein. En fait, là, un exemple, j'aurais rentré mes numéros de carte bancaire. J'aurais fait valider le paiement, ça m'aurait dit vous n'avez pas atteint le seuil de 15 euros pour pouvoir lancer votre commande. Voilà, c'est en fait on peut pas le savoir on pourra le savoir uniquement que quand on met les numéros de carte bancaire. Et moi j'ai pas voulu faire l'essai, car vu que je n'avais pas de commande à passer chez eux, bah, j'avais pas lancé une commande juste pour ça. Bah écoutez, apparemment, il n'y a plus ce problème-là, mais pendant un moment, il fallait avoir 15 euros d'articles dans le panier. Là, apparemment, ça ne me met pas le message. Hein. Donc, bon, ça prend un négatif a été résolu, apparemment, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même de gros problèmes sur ce site. Je vais vous faire écouter, je pense, les vocales que j'avais eues de Dame, alias Damien Morceau. Je vais essayer de vous les faire écouter quand je les aurai retrouvées. Donc voilà, ce message-là, il me l'a envoyé le 28 septembre 2021. Donc, comme vous pouvez essayer de voir, bonjour, je viens de le recevoir, mais il ressemble à l'origine. Bon, ça, oui, c'est normal. Là, par contre, c'est moins normal. Il y a moins d'étincelles que celui d'origine, donc ça ne démarre pas. Ensuite, bon, moi j'y avais répondu, c'est pas normal, bien entendu.
mais il n'y a pas trop d'étincelles. C'est celui que vous avez mis le lien. Alors, la référence du sachet par rapport au site, c'est le bon du lien que vous m'aviez envoyé. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'étincelle, mais vraiment léger par rapport à celui d'origine. Donc, ça ne fait pas démarrer le scooter. Donc, et le coupe-circuit est bien mis, quoi. Parce que j'avais demandé si, à tout hasard, le coupe-circuit de son scooter n'était pas enclenché, parce que des fois, ça peut arriver. Et non, il était bien enlevé, hein. Parce que les fiches, de toute façon, on peut pas les mettre à l'envers. On peut pas les changer de place. Donc voilà. Parce que j'en avais acheté un autre. C'était. Bon, le souci, c'est que c'était pas un DC, c'était un AC. Et du coup, bah, là, logiquement, il n'y avait pas du tout d'étincelle. C'était un Motoforce. Donc j'ai recommandé celui-là. Et bah, ça marche toujours pas. Ouais, parce qu'en fait, voilà, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez des CDI AC, des CDI DC. Le truc qui me gonfle sur le scooter 4 temps, c'est qu'il pourrait faire au moins un détrompeur au niveau des fiches pour éviter d'inverser les CDI. Simon, il a fait une chaîne YouTube, la chaîne YouTube Simon, il a eu le même problème il n'y a pas longtemps. Il a acheté un CDI pour débrider son Vivacity 4 temps, Vivacity, non, le Kisby 4 temps. Et c'est le même type de CDI que mon scooter, sauf que lui, par contre, ça a entraîné l'explosion du fusible, du fait que c'était pas le bon. Et il explique aussi que de toute façon, les fiches, on ne peut pas les inverser. Bah oui, non, on ne peut pas les inverser. Il y a des détrompeurs exprès justement pour éviter de les inverser. Donc non, ça vient pas de ça. Alors là, écoutez bien. Ouais, sauf que le seul problème, c'est qu'il me demande d'envoyer la pièce, enfin, de prendre en photo la pièce d'origine du scooter, la pièce que j'ai reçue et la carte grise du scoot. Alors attention, petite chose à savoir quand on vous demande votre carte grise de scooter, de prendre en photo, vous devez masquer votre identité et masquer votre adresse. Parce qu'ils n'ont pas le droit de voir votre adresse et votre identité. Enfin, votre identité, on s'en fout un petit peu parce que sur le site ils l'ont, mais essayez quand même de la masquer. En cas de. Parce que la bécannerie sont les champions pour se faire pirater. Donc faites très attention là-dessus. C'est un conseil. Moi je vous conseille plus de leur envoyer par mail, mais pas par le biais du site, par un mail externe. Donc j'avais demandé son scooter, quelle année qu'il était, on l'a. Eh ben c'est un TNT Grido de 2015. Et ouais, sur la bécannerie où j'ai commandé, c'était marqué de 2010 à 2019. Donc ben là je vois pas. Donc il y a eu de l'étincelle, enfin il y avait de l'étincelle. Et des fois ça le fait, des fois ça le fait plus, après ça le refait, après ça le refait plus. Et voilà, donc là moi je vois plus. Je vois plus quoi faire. Donc le gars rigole, mais en fait il rigole rouge jaune. Alors par contre, de 2010 à 2019, là il y a un gros problème. C'est un truc tout simple. Il n'y a pas eu de grido en 2018, il n'y a pas eu de grido en 2019. Et ça je vais vous dire comment je le sais. Et pas pour un truc tout con, c'est que moi j'ai le tout dernier modèle du grido. Quand j'ai été le chercher, c'était juste avant la sortie de la norme Euro 4, et donc le grido a été arrêté de production en 2017, donc l'année du mien. Après c'était que du 4 temps. Quand il y a eu la norme Euro 4 qui est sortie, il y a beaucoup de fabricants qui ont arrêté le 2 temps. À ma connaissance, il reste Roeju qui font du 2 temps. Il y a Kinko qui continue encore sur le 2 temps, mais ils viennent d'arrêter là avec la sortie de la norme Euro 5. Donc déjà là, ça bloque. Déjà là, ça bloque très dur. Ah oui, oui, ça démarre avec le CD d'origine. Je remets le haut, ça redémarre plus. Alors, parce que j'avais posé la question, si quand il remontait son boîtier CDI d'origine, si ça, le scooter redémarrait. Quand il remet le CDI d'origine, le scooter redémarre. Ah oui, tout à fait. Mais ouais, le problème, c'est que je voulais aussi le faire depuis un concessionnaire, mais ils n'arrivent pas à le trouver, moi, de mon côté, ou alors ils veulent pas les vendre. Donc, malheureusement, là, je vois plus comment faire, du coup.
parce que bon, moi le CDI commence à rendre l'âme, donc arrivé à fond, bah, ça broute, ça fait des trous, quoi. Donc voilà, c'est génial. Ouais, parce que moi ça commence sérieusement en train de me chauffer là, parce que bon, ça fait deux fois que je leur envoie la carte grise, ils me disent qu'il faut renvoyer la carte grise, ça fait trois fois que je leur envoie. Ils l'ont toujours pas vu, donc là je viens de les appeler, je leur ai dit que la carte grise elle était envoyée, donc voilà quoi. Moi ça commence sérieusement à me chauffer, la bécannerie. Donc vous voyez que je suis pas le seul à péter un câble chez eux. Donc voilà quoi. Voilà. Ah oui, non mais la bécannerie, sérieusement, commence bien à me chauffer quoi. Vous avez compris? Alors je l'ai payé 30 euros et ils veulent me faire un geste commercial de 10 euros. Je crois que c'est du bien foutage de gueule, mais je veux pas en rester là, ça c'est sûr et certain. Alors écoutez, ça vaut le détour. Ah oui, mais tout à fait raison. Mais bon, là c'était 10 euros d'un frais commercial. Soi-disant, il y a des taches d'huile et de l'eau sur le CDI. Alors, il y a des toutes petites taches parce que c'est quand je l'ai reçu. Donc, ils m'ont dit, oui, mais vous auriez dû refuser le colis. Et je dis, mais comment vous voulez que je sache s'il marchait réellement ou pas le CDI quand j'ai reçu le carton, tu vois. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors en fait, ça c'est un truc qui m'a fait un peu rigoler aussi, hein. Je suis du même avis que le gars. Alors soi-disant qu'il aurait dû refuser le colis quand il a vu les taches d'huile. Sauf que le problème c'est que la bécannerie met tout ce qui est pièces ou quoi que ce soit, le met dans un carton de leur site à eux, où c'est marqué tout simplement, le carton il est marron et c'est marqué la bécannerie en orange dessus. Donc comment est-ce que vous voulez refuser un colis quand on n'a pas vu la pièce? C'est pas possible, très clairement. La seule chose qui peut nous faire éventuellement refuser de prendre le colis, c'est si la boîte du colis est endommagée. Mais voilà quoi. Mais franchement, j'aurais mis un message en disant que plus jamais j'allais commander chez eux, que c'était du foutage de gueule et tout ça. Ils m'ont répondu, si vous voulez, on vous fait un 10 euros de geste commercial. Je réponds pas, il n'y a pas besoin, je veux pas 10 euros. 10 euros, je les ai eu par téléphone et j'ai cru que j'allais l'insulter, le gueule. Donc vous voyez que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai fait écouter pas mal de messages de dames. Son pseudo sur Insta et son pseudo, anciennement pseudo YouTube, c'était Damien Morceau. Donc moi je vais vous donner un conseil, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Moi pour ma part, c'est terminé, je ne commande plus jamais sur le site de la bécannerie. Certes, ils sont pas chers. Le problème, c'est que il n'y a pas de description sur leurs articles, hein, la preuve avec le comparateur Poligny, que je ne peux pas utiliser sur mon moteur AM6 car je suis en vilebrequin course 44. Je pense que, d'après ce que mon concessionnaire me disait, j'y en ai parlé justement quand j'ai eu le problème de calage de l'image de la DT. Il m'a demandé, j'y ai expliqué que ma bécane roulait en marche arrière. Il me fait, bah, t'as mis combien d'avance toi? Bah, j'ai mis 3,5. Il me fait, t'es sûr que t'as mis 3,5 ou t'as mis. Enfin, j'ai dit que j'ai mis 0,35. Il me fait, t'es sûr que t'as mis 0,35 ou t'as pas plutôt mis 3,5? Je fais, non, non, j'ai mis 0,35. En tout cas, c'est ce que le comparateur me donne. Il me fait, bah, t'as quoi comme comparateur? J'ai le Poligny. J'ai un Poligny. Il me fait, fais gaffe parce que les Poligny, bah, ils sont pas compatibles avec les courses 44. Hein. Il me fait, c'est que pour la course 39 d'origine. Eh, sauf que c'est pas marqué sur le site. Il m'a dit que le comparateur qui serait compatible avec les courses longues, ça serait le Motoforce de chez Maxi Scoot. Donc, par contre, le souci, c'est que c'est un comparateur qui va revenir très très cher. Car le comparateur, donc, on va vous montrer, vous allez voir, ça va être plus simple. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris celui-là. Alors, en fait, le comparateur n'est pas vendu complet comme le Poligny. Vous allez devoir acheter cette pièce-là sur Maxi Scoot qui coûte 50 euros. Ça coûte 50 euros en Motoforce.
Mais vous avez que cette pièce-là. Et ensuite, vous allez devoir acheter ça, qui est tout simplement le comparateur. À part, donc ça c'est pareil, c'est 50 euros. Donc 50 euros pour le comparateur, 50 euros pour le support. Ça vous fait un total de 100 euros. Vous rajoutez les frais d'envoi qui sont de 9 euros parce que c'est une livraison GLS. Et chez MaxiScoot, vous n'avez pas le choix, vous avez que ça en livraison. Ça vous fait du 109 euros. Et après, vous rajoutez la TVA. La TVA, je peux pas vous dire combien c'est, ça dépend de ce que vous commandez. Donc ça peut compter à peu près un bon 120 euros, je pense. Approximativement un bon 120 euros pour avoir un comparateur course 44. Moi pareil, hein, j'ai eu le même problème, j'ai eu même encore pire que Damien Morceau. C'est que lui, ils ont fait un geste commercial qui strictement c'est du foutage de gueule de 10 euros pour une commande de 30 euros. Sauf que moi, bah, je leur ai signalé, j'ai eu aucune réponse. Je leur ai envoyé un mail, non, je leur ai envoyé 4 emails au total, j'ai jamais eu de réponse. J'ai tenté de les appeler et ça sonne toujours occupé. Donc voilà. Donc bah, évitez de commander sur la bécannerie parce que vous n'avez vraiment 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 pas le choix. Et que si c'est pour de la pièce que vous avez déjà commandé, que vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, moi c'est terminé, je ne commande plus rien chez eux. Je commande sur ce site là depuis 2017 ou 2018 je crois. Et on a des points de fidélité, mais en fait, il vous faut, je ne sais plus combien de points de fidélité pour débloquer un bon d'avoir de 5 euros. J'ai dû l'avoir peut-être une seule et unique fois. Donc voilà. De toute façon, moi, c'est terminé. Je ne commande quasiment plus de pièces de roues sur Internet. Les seules pièces que je commande, c'est les pièces que les concessionnaires ne peuvent pas m'avoir parce que c'est soit de la pièce de véhicule de collection, ou soit de la pièce qui n'est pas homologuée sur route, parce qu'un garagiste n'a pas le droit de vous vendre, par exemple, un kit 80, il n'a pas le droit de vous le vendre. Donc, moi, maintenant, en ce qui concerne les joints SPI, les joints moteurs, je les commande chez mon concessionnaire. Il y a juste le joint de carter d'embrayage que je prends sur Internet, parce que ceux qui me vendent, et je les aime pas, je trouve qu'ils sont pas assez épais. Donc je commande que du Athéna, ils sont vachement épais, ils font l'équivalent de ils font deux fois l'épaisseur d'un joint top perf. Mais maintenant tout ce qui est joint SPI moteur, je vais chez le concessionnaire à Cloix. La pâte à joint, ça va être pareil, je vais la commander directement chez mon concessionnaire parce qu'à chaque fois que je la commande sur internet, je reçois le tube, il est percé. Puis je la paye plus cher sur internet que chez mon concessionnaire. Donc voilà, donc petit coup de gueule de sur la bécannerie. Hein. Peut-être que le fait avant il fallait 15 euros d'articles dans le panier, peut-être que c'est toujours en cours. Je veux pas faire de tentative parce que j'ai pas envie, si un exemple ça marche, d'avoir le problème de me retrouver avec une commande alors que j'ai rien à commander pour les deux roues pour l'instant. Et vu que j'ai beaucoup de contentieux avec la bécannerie, s'il y a un exemple, je lance une commande et que je peux pas l'annuler, je vais me retrouver avec des pièces ici que je vais pas me servir. Mais il me semble que c'est au moment qu'on rentre les numéros de la carte bancaire et qu'on fait valider que ça nous met solde du panier pas atteint, je crois, un truc comme ça. Que ça nous met le total qu'on a dans le panier, le total qu'il faut et le total qui nous reste à mettre pour pouvoir atteindre le solde. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseillerais de ne plus commander sur la bécannerie. Vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est mon avis perso. Comme vous avez vu, je vous ai fait écouter des messages de. Alors j'espère que le son va être pris, parce que ça c'est pas sûr du tout. Vu que c'est sur le téléphone, que j'ai pas de micro, comme j'avais sur ma première caméra, c'est que le micro d'origine du caméscope, il n'y a pas d'entrée externe sur celui-là. Normalement il prend assez bien le son, donc normalement je pense qu'on a dû entendre. Par moment j'étais obligé de baisser le son du téléphone parce que des fois ces messages sont forts, des fois ils sont pas forts, et bon, 3h42 du matin actuellement,
Moi, j'ai mon frère et mes parents qui dorment, donc je voulais pas trop faire de bruit. Voilà quoi. Un peu énervé là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing et Mobonz. Je vous invite également à vous inviter à la chaîne YouTube de mon petit frère Streamix 2.0, qui est une chaîne YouTube sur les jeux. Vous pouvez aller vous abonner à toutes ces chaînes, à toutes ces chaînes-là. Tous les liens sont en description. Je vous mets les liens de d'autres chaînes YouTube que je suis, que je trouve vachement sympa et tout ça, en description aussi. Je vous mets mon lien, le lien de mon Instagram, en description pour tout conseil, demande. C'est sur Instagram. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.